C'est que les silences, on dit « ah, c'est pour reprendre de l'air », mais ils font partie intégrante de la musique. C'est-à-dire que quand vous avez un silence, le silence il doit être inclus dans un crescendo. Donc le silence, on doit sentir le silence comme un crescendo.
ce qui nous permet d'arriver sur une nuance un peu plus forte, naturellement, puisqu'on est sur du très jeune. Même quand on se tait, ça continue à grandir. Voyez. Et de telle façon qu'on ait toujours cette progression. Nous, la progression, on va l'avoir avec l'orchestre, mais quand même, vous, vous devez le sentir aussi comme ça. 161. Il faut louer les valeurs longues. In gloria dei patri. Louez-les. Vous attaquez et vous laissez résonner. 3, 4. In gloria dei patri. C'est ça. Allez, encore. Pour les ténors et les sopranes à 43, et pour les altos et les basses à 44.
Donc vous voyez que la phrase elle suit toujours d'un pupitre à l'autre et d'un segment à l'autre. C'est jamais vous, un pupitre, qui tire la phrase. Vous voyez ? Encore, on refait ce passage-là. Mettez sur votre mesure 151 un silence qui vous permet d'arriver sur le piano tranquillement. Ça va. J'ai l'air dit que ce n'est pas le cas. Oui, c'est le copiste. Je peux avoir la mesure 148, s'il vous plaît. 148. 3, 4, 1, 2, 3, Thank you.
que vous accentuiez les passages, les petits traits, les passages avec les croches. Les blanches, les noires lumières restent en suspension, pas affinées. D'accord ? Voilà.